Non, j'aurais pas du tout. En fait, quelque chose de ski. De ski. Donc, en fait, à quoi on pourrait le comparer? Mais sérieux, c'est le bordel. Attends, attends, tu sais quoi, je vais repasser en vue normale parce que sinon ça va être genre le bordel. Ok, je disais, ouais, t'es donc... en train de descendre la porte. Ah, mais attends, je vais attendre. Hop, laisse-moi juste tourner. Voilà, hop là. Donc, je disais, en fait, on est sur Snow. On est avec les poteaux là. En fait, Snow, c'est un jeu auquel je joue depuis quelques jours déjà. Donc, c'est un jeu de ski. Bon, plus tard, il y aura le snowboard, la moto de neige, etc. Mais en fait, c'est un jeu, en fait, tout simplement, où vous évoluez dans un monde ouvert. Et ce qui fait sa force, en fait, c'est le fait que c'est vraiment un monde ouvert. Il n'y a pas de mur invisible, de barrière, de limite. Non, vous pouvez vraiment aller où vous voulez. On va vous montrer un petit dessin. Vas-y, Mehdi, on te suit. Vas-y, on te suit. Vas-y, go, go, go. C'est mon frère. C'est mon frère de... mon frère de queue. Hein, t'as dit quoi? Suivez-moi. Ok, c'est bon, vas-y, go. Attends, c'est quoi? On doit passer dans les trucs, c'est ça? Ouais, ok, vas-y, go. Ouais. Ça marche. Ouais. J'ai le feu, vieux. Donc, en fait, par rapport à la jouabilité, donc moi je joue à la manette. Je pense que la plupart d'entre vous ici jouent à la manette, non? Ouais, la manette. Ouais. De toute façon, c'est qui est le plus jouable. Hein. Genre, au clavier, c'est difficilement jouable, quoi. Genre, c'est pas hyper intuitif. Et en fait, comme je disais, en fait, il est difficilement comparable parce qu'il n'y a pas de jeu qui lui ressemble. Genre, beaucoup de gens le comparent à, genre, par exemple, à SSX Tricky, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout, puisque en fait c'est un genre totalement différent, en fait. C'est plus axé, on va dire, simulation, même si c'est pas trop une simulation. Alors que SSX Tricky, genre, c'était vraiment de l'arcade pur et dur, en fait. Mais le jeu est juste terrible. Genre, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Flaco, t'avances. RIP. Le jeu est terrible. Eh, vous voulez pas qu'on ait. Eh, les gars, vous voulez pas qu'on ait sur le truc là, du typhus là où on était tout à l'heure? Ouais. C'était quoi? C'est comment ça s'appelle? Le wall? Gamel Eken. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Ah, voilà, c'est dans. North. North. Gamel Eken, allez, coucou, les go. Ouais, venez bien voir sur Gamel Eken. C'est un tryhard de ouf, je dis franchement. Eh, le jour va se lever de manière drastique. Go. Parfait. J'ai juste à préciser un petit truc, que le jeu en fait est actuellement en alpha, donc s'il crash, s'il bug, c'est tout à fait, entre guillemets, normal. Puisque, comme je disais, en fait, le jeu est encore en cours de développement. Il y a actuellement, si vous voulez jouer avec vos potes, il n'y a que 8 serveurs de chacun 8 slots, si je dis pas de bêtises. Donc, pour se rejoindre, c'est un petit peu compliqué. Mais une fois que vous êtes rejoint, c'est le bonheur. Regardez, il y a ça. Ça! Understand, concept of love. Whoop, try again, bitch. Mais malheureusement, le premier cas, c'est que les serveurs en fait sont pas super stables. Ça sera corrigé, vu que le jeu, comme je dis, encore en alpha. Alors, le modèle économique, c'est quoi? C'est du free to play, les gars? Plus tard? Ouais. C'est ça. Alors, il y a skin payant. Oui, bah normal. Le modèle économique du free to play, le jeu sera gratuit, mais pour l'instant, en fait, le jeu est tout simplement. Oh non, je le sens mal. Non, c'est bon. Le jeu est tout. Bon, la ragdoll est totalement pétée, d'accord, soit clair. Donc ouais, en fait, le jeu sera gratuit, mais sachez qu'il est... je crois qu'il est dispo pour 10€ sur Steam, mais concrètement, vu qu'il sera free-to-play et qu'il sera gratuit, si vous voulez, genre, le tester, sur G2A, je crois qu'il est à 50 centimes. Ah. 50, c'est ça? À peu près, ouais. Voilà, voilà. Aux alentours d'un euro. Donc ouais, 1€ à peu près, un truc comme ça. Donc si vous voulez prendre, il est dispo sur G2A, le lien en bas dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, quoi. C'est une petite pub, tu vois, la petite pub qui passe au calme, tu vois. Putain, putain, le feu. Hein? Sur Steam, il contient deux clés, le jeu. Oui, alors voilà, quand vous le prenez sur Steam pour 10€, ouais, vous avez une clé pour vous et une clé pour un pote. T'en as 20 sur G2A, disons. Mais c'est ça, 23, c'est que concrètement, ça te revient à 5€ la clé, alors que finalement, genre, la clé, tu l'as à 50 centimes, 1€. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas rentable. Il sort un bêta ouvert le 28. Janvier? Janvier. Voilà. 28 janvier, bêta ouvert, donc ceux qui sont intéressés par le titre, oui, patientez un petit peu et vous aurez le titre de manière gratuite. Et ce qui est cool, alors voilà, c'est celle où je voulais en venir, en fait, c'est que le jeu est terrible. Ah, il fait beau, c'est parfait, la vie est belle, let's go. Vas-y, Mehdi, je suis derrière toi. Aïe. T'arrêtes pas, hein. J'ai le feu. Hein. Alors, des fois, vous allez voir des artefacts un peu bizarres, tu vois, genre comme là, ici, là.
C'est pas très grave. Ce sera corrigé encore une fois, c'est une alpha, on s'en bat les couilles. Vas-y, go. Ah, j'ai le feu, négro. Je te suis au cul, mec. Hein. T'as le saut de merde. Ok, c'est bon. Tu es là, hein. Ah, je date. J'ai le feu. Ah, j'ai le feu, négro, j'ai le feu. Tu vas où, là? Aya, pousse-toi. Ok. Oh là, c'te saut. Alors, bah allez. Ok. Perfect landing, gars. On est là. Non. Non, t'as pas le droit. J'ai la même. La noisette. Non, c'est relou. Hey, j'ai fait une action, elle était magnifique. En fait, j'ai fait un parfait landing, mais voilà. Ce que je vous explique, en fait, c'est ces problèmes de D5. Et du coup, ouais, ça, c'est des millilags comme ça qui font que ça nique l'expérience. Mais c'est cool. Un truc que je disais tout à l'heure que j'avais noté et que je vais pas encore montrer, c'est que, en fait, là où on est, c'est de leur piste, en fait. C'est clairement pas une piste. Alors, je vous ai montré en bas la KO2, là, le sort de snowpark, ça, c'est la piste. Par contre, là où on est, c'est de leur piste. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de tracé prédéfini. C'est un peu chaotique, mais c'est fucking jouissif. Attention, j'ai le feu, j'ai le démon. Ok. Attention. Marche à... Vas-y, je change de spot. Je vais à l'autre, là. Comment il s'appelle? The Wall. Non, c'est pas The Wall. C'est Westpiece, c'est ça? Ouais, c'est piste. Ah. Vas-y, passe devant. C'est pas un normalement, là où je suis. Vas-y, là. Accélère. Vas-y, go, c'est parti. Ok. Let's go. Alors là, les gars, vous allez voir la descente du typhus. La descente endiablée. Là, faut pas chier. Là, faut pas chier, les gars. C'est... Il va tomber. Non, c'est bon, je suis pas tombé. C'est bon. Vas-y, go. Let's do it. Ouais, je suis coincé là. Et en fait, c'est super jouissif, tu sais, quand tu réussis de faire une figure et tout, de sur tes skis, avoir un petit perfect landing. C'est un beau bonheur. La noisette. Mais je suis là. Donc, attends, donc là, comme je dis, ça c'est leur piste. Mais tu vois, je peux aller là. Genre, aller de là-bas, je peux aller là, tu vois. Genre, il y a aucune limite. Tu vois. Bon, on va essayer de se prendre des rochers, hein, parce que concrètement, quand tu prends un rocher, c'est pas très bon pour la santé. Mais tu peux aller vraiment où tu veux. Allez, genre là, on va essayer de se faire ce sol là. Je sens que ça pue derrière, je sens qu'il y a des rochers en bas, tu vois. Mais tranquille, hop, tu vois. Hop, tranquille. Aucun point com. Là, t'as un petit saut, tu peux passer au-dessus de l'arbre si tu veux. Ah ouais, ah ouais, j'ai vu. Ouais, ah, mais trop tard, il est trop chaud. On va s'aider à droite là. Ça va. On va voir. Là, je passe entre les caillasses. Ok. Alors, je suis jamais passé par là, donc là, je découvre en même temps que vous. Et en fait, c'est ce qui est ouf, c'est que tu peux aller où tu veux, c'est trop bien. C'est bon, ah oui, donc les descentes sont peuvent être très 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 longues en fait. Genre, c'est pas genre des petites pistes de PD quoi. Bon, là, c'est un peu chaud, concrètement, ce que je fais là. I believe I can fly. C'est Rico. Vas-y. Donc en fait, là, à droite, c'est de leur piste, mais là, pour le coup, ça, c'est de la piste tracée. De toute façon, vous le voyez parce qu'elle est... Elle est... Elle est ta mère. T'as dit quoi? Ta mère. Ta mère. Elle est ta mère, tu vois. Et bon, pour le coup, franchement, le jeu prend très peu son intérêt en fait sur les pistes comme ça, tu vois. Genre, c'est cool pour apprendre un peu les contrôles, savoir apprendre à guider son personnage et tout. Mais concrètement, c'est pas sur des pistes comme ça que vous allez genre prendre votre pied, quoi. C'est sympa, mais sans plus, voilà. Attention. Ok. Et là, tout de suite, on part en hors-piste parce que nous sommes des vrais Chegay. Il y a un truc qui est quand même important à signaler. C'est que la physique, elle est pas oufissime, tu vois. Genre, enfin, déjà, quand vous gamelez, je peux vous montrer un petit exemple, je pense que vous l'avez vu. Quand vous prenez un truc, vous avez une ragdoll un peu bizarre, donc de votre personnage. Vas-y, c'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a le typhus, tu vois. Genre, hop. Il a le typhus, mais en fait, c'est faut pas s'arrêter là en fait. Parce que moi, malheureusement, j'avais fait l'erreur de le juger comme ça. Attention, mais j'arrive. Enfin, okay. Moi, j'ai fait l'erreur en fait de le juger. Genre, voilà, regardez, pas ouf, tu vois, pas ouf comme physique. Ouais, t'es passé.
Alors, ce qui est cool, c'est que quand vous prenez vos potes, tu vois, genre vous tombez direct. Mais ouais, donc je disais, faut pas s'arrêter là parce que moi j'avais fait l'erreur malheureusement de juger par rapport à sa physique un peu foireuse, le fait que le bonhomme reste très rigide. Regardez, je vous montre. Genre, quand tu sautes comme ça, tu vois, il reste genre. Allez, tu vois, il reste très rigide. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas d'animation propre en fait au personnage. Et j'avoue que je trouvais ça un peu. Bon, j'ai raté. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais faut pas s'arrêter là en fait. Je vous assure que si vous avez ne serait-ce qu'un ou deux potes, tu vois. Vous ferez chacun le jeu et vous éclatez, mais de ouf. Juste évitez de venir sur le serveur, d'accord, pendant que c'est en alpha, parce qu'il y a eu 3 serveurs. Sinon, je vous casse votre gueule. Mais sinon, genre. Nous, on s'éclate tous les soirs, on s'éclate, genre. On fait que ça, quoi. On fait que du ski. Alors, quand c'est pas Rainbow, c'est le ski. Et toi, tu tombes. Et moi, je tombe. En fait, vous avez la vue première personne, donc avec la flèche du haut de la manette d'Xbox, d'accord. Et en fait, malheureusement, elle est pas très jouable dans le sens où, en fait, si vous. En fait, si vous faites que descendre, ça va, tu vois. Genre, mais par contre, si vous commencez à faire des figures et tout, genre, allez, je vous montre. Genre, tu vois, ça devient vite vomitif en fait, tu vois. Donc, ouais, c'est cool, mais sans plus. Allez, go, c'est parti. Je vous fais une petite descente en vue première personne. Le feu, négro, le feu. J'essaye de passer devant toi en première. Tu es passé devant là, non? Ouais, ouais, t'es passé devant. Vas-y, je te suis. Allez, oui. Eh, t'es un beau cul. Merci beau cul. La vitesse. Sors, sors. Dégage, Flaco. Eh, ta mère, je tombe, je te banne. T'as Flaco, j'ai perdu, regarde la vitesse, tes conneries. Vas-y. T'es tombé? Non. Ça va, tranquille. Allez, là, je vous montre, regardez, là, vous voyez qu'on a le feu, là. Là, les gars, c'est le feu. Là, je mange la glace, j'ai la neige dans les yeux, là. Vas-y, alors là, vous allez voir comment c'est vomitif de ouf. Regardez. Quand je vous disais que c'est super... J'ai réussi mon transfert. Non. Oh, j'ai raté. Mais ouais, en fait, malheureusement, bah, en fait, parce que du coup, le jeu est compatible Oculus Rift, mais malheureusement, en fait, en vue première personne, c'est difficilement jouable. C'est très très difficilement jouable. Enfin, du moins, si vous faites des petites descentes, ok, mais genre, si vous faites comme nous le feu. Merde, karma. Bon, là, je vous montre une descente, tu vois, mais je pourrais vous montrer genre une autre descente, genre par exemple, tu vois, si au lieu d'aller à droite, tu vois, tu peux aller par là. Je vais essayer de pas foirer le truc. Juste essayer pas de pas me manger. Ouh, hop, le petit arbre tranquille qui passe bien. Hop, tu vois. Dans ta droite. Pour aller là où il y a les bâtiments. Ah, je vais aller par là. Ok, rip. L'excursion va vite s'arrêter. Venez à Bluebird Resort, de nuit, c'est magnifique. Attends. Oh ouais, venez sur moi. Quelle face. Venez sur moi. J'aime pas trop venir sur les mecs, attends que j'arrive. Flaco FDP. Vas-y. Vas-y, derrière. Ah là, ouais. Ah oui, il est pour lui. Ah tiens, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le moteur du jeu c'est le CryEngine. CryEngine. Ok. Il a eu du mal quand il s'est réceptionné. De ouf. Je pensais que j'avais une gamelle. Attends, il y a une descente ou pas? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Fourche, je vais te niquer. Cher, tiens. Merde, tu vois. Bon les amis, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'ai plus beaucoup être la bête dans la caméra, donc arrêtez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Merci les copains de m'avoir accompagné. C'était cool, même si vous m'avez rentré dedans, c'était le bordel. On est nouveau sur le jeu. Le jeu est plutôt complexe parce que ça paraît pas comme ça, tu vois. Mais le jeu est super complexe. Genre, si vous voulez faire des stunts ouf, atterrir de manière propre, c'est super complexe. Je vous laisse ici, prenez soin de vous. Merci en tout cas d'avoir vu jusqu'au bout. C'est Master Stacko. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut! Allez, on recommence. Vous êtes trop loin, freinez. On recommence. C'est bon, go.
Vous avez recommencé là? Bah ouais. On recommence. Attendez, attendez. Oh, horrible. Arrêtez de me pousser là. C'est... Attendez. Tout ça, c'est bon, tout le monde est prêt? Je vais pas freiner ce connard. Vas-y, passez devant. Comme ça, je filme tous. Go. Qu'est-ce que tu vas? Le tifu. Arrêtez avec la